J'étais amené à participer à Passe Croisée car beaucoup de joueurs du stade viennent manger chez moi, au Café Francis, et m'en avaient déjà parlé. Donc quand Jean-Marc nous a proposé à mon chef Greg et à moi de participer, on n'a pas hésité un seul instant. J'ai choisi comme plat le pigeon de façon, parce que c'est mon plat préféré d'abord. J'adore la volaille. Et puis au Café Francis, on est réputé pour notre viande, mais on fait aussi pas mal d'autres choses. La recette, en fait, est toute simple. On découpe les membres d'un pigeon que l'on fait confire à feu doux pendant une heure. On lève les filets que l'on snack légèrement. La carcasse sert à faire un fond à base de vin rouge et d'oignon qu'on nappe ensuite pour agrémenter le tout. L'accompagnement, on a choisi de faire une purée de céleri épané parce que ce sont des légumes de saison. Le rugby, c'est une passion depuis que je suis tout petit, j'ai pas mal pratiqué. Et puis surtout quand on a une équipe aussi sympathique et abordable que le Stade Toulousain, dans sa ville, c'est quand même une chance inouïe. Et puis c'est beaucoup d'après-midi en trimine avec mon papa. Amené à participer à Passe Croisée, c'est j'avais vu un peu ce qu'avaient fait les autres joueurs, donc c'était plutôt cool. Et quand on me l'a proposé, j'ai accepté de suite parce que c'est assez intéressant de voir la cuisine et d'essayer de faire des plats, quoi. Mon plat s'appelle les pâtes aux sèches. Il y a aussi des palourdes dedans et des sauces avec notamment du pesto, un peu d'encre et un petit peu de mozzarella aussi. J'ai choisi ce plat parce qu'on mange souvent des pâtes, c'est vrai, mais j'aime bien quand, par exemple, je suis en vacances, manger des pâtes voilà, avec du poisson. Ça, je trouve les deux vont bien ensemble. Mon rapport à la nourriture il est assez particulier parce que c'est un joupillier déjà, donc c'est vrai que chez nous c'est un petit peu une religion on va dire, mais ouais, comme tout rugbyman, je pense qu'on aime bien manger, on aime bien les bonnes choses, j'aime bien les bons plats, même entre amis partager des bons plats, et aujourd'hui ça va me permettre aussi de peut-être de faire des choses un peu plus raffinées, et c'est une bonne chose. Ouais.